Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur Destroy All Humans 2 Reprobed. Je sais pas si ça se prononce comme ça, avec mon accent à l'américaine tout pourri. Alors je vais être un peu en retard sur cette vidéo, j'ai bien eu le jeu le jour de la sortie et tout, sauf qu'en fait, je vais vous expliquer, j'ai commandé un boîtier d'acquisition, parce que les vidéos à chaque fois on est sur PS5 là, et mes vidéos sur PS5 à chaque fois mes captures... Elles ont une sorte de voile blanc un peu sur l'image et tout, et j'arrive pas à m'en débarrasser réellement, j'arrive pas à... J'essaye de vous corriger ça à chaque fois au maximum dans la colorimétrie ou montage et tout, mais j'arrive pas à m'en débarrasser complètement. Et donc, j'ai commandé un boîtier d'acquisition pour vous faire des vidéos avec OBS. J'avais des idées en plus de comment faire des trucs et tout. Sauf que ce boîtier, à chaque fois que je le branche, l'image... J'ai ouvert VLC pour voir l'image passe bien, donc c'est pas le boîtier qui merde. Sauf que OBS à chaque fois me marque Not Support. Et j'ai essayé tout un tas de configurations, impossible de le faire fonctionner. Donc je vais le renvoyer, c'est pas un boîtier Elgato ou quoi que ce soit, c'est pas un boîtier de, on va dire, de grande marque connue, mais c'était un truc qui pouvait enregistrer en 2K 60 fps, donc c'était intéressant. Et d'après les commentaires, pour ceux qui ont réussi à le configurer, et qui enregistraient avec une bonne qualité. Donc c'est pas grave, j'achèterai un truc Elgato certainement, ou Avermedia. On verra ça un peu plus tard, mais pour l'instant je vais me faire rembourser celui-là, et puis on va faire comme je faisais d'habitude, et je vais essayer de vous corriger ça encore une fois au maximum. Donc on va se découvrir le jeu, on est, comme je vous l'ai dit, sur PS5 aujourd'hui. J'espère que... Attendez, je vérifie juste quelque chose. Non, c'est bon. Recrue vétéran, machin, on va se mettre en vétéran parce qu'on va pas faire les fous non plus. On découvre le jeu. Ok, donc là ils nous expliquent que le... En gros, même s'ils ont refait le jeu, l'histoire est la même. Parce que oui, ce jeu est déjà sorti il y a quelques années. Je crois que c'était sur PS2. PS2 Xbox, il me semble. Donc voilà, ils nous expliquent en gros qu'il a été refait, mais que en gros, l'histoire reste la même. Je vous avoue que ça m'a miné quand même cette histoire. J'étais content de recevoir le boîtier, j'avais installé OBS et tout. Ça m'a un peu miné. Thank you for coming. Here's what we know so far. 10 years ago, the United States government covered up an invasion by an alien race known as Furons. Their primary agent was this Furon, Cryptosporidium 137. Dangerous, unpredictable. Now. Deceased. So, what has been problem? The problem, Conrad, is that Furons can clone themselves and pose convincingly as human. And they've used these abilities to put Cryptosporidium 138 into the White House. And the American people are not noticing? Right. Pull the other one. Even worse. This new crypto clone contains pure Furon DNA, harvested from human brains by Orthopox 13, mastermind of the invasion. He also bears a mysterious new mutation, referred to only as the package. These aliens pose a dire threat to the Soviet Union, comrades. And so, must be. Bon, c'est pas un jeu du tout à prendre au sérieux, hein, évidemment. C'est du délire. As we speak, President Crypto is in Bay City, attending a new cultural festival. And Orthopox? Conducting experiments in the Furon mothership. Et boum. That can't be good. Greetings, comrade. Mother Russia sends her regards. Here we
expect me to beg, human? No, little Fioran. I expect you to die. Mine's big. Bon, je pense qu'on va jouer tout de suite. Voilà, bon. Il y a beaucoup de destruction de décors, j'avais vu ça dans des vidéos. Du coup, ça peut être plutôt pas mal à ce niveau-là. D'où la sortie pour celui-là seulement sur les Xbox Series et PS5. Ce jeu-là, il n'est pas disponible sur PS4 et Xbox One. Il est dispo aussi sur PC. Mais il n'y a pas de version PS4 One. Je sais pas quelle est l'explication exacte, parce que je pense que ça pourrait tourner sur PS4 One avec une résolution un peu moins élevée et tout ça. Mais eux, non, hein, ils ont préféré se concentrer sur les nouvelles générations. Et bon, à la limite, c'est pas plus mal qu'on commence à avoir des jeux. Ok. D'accord. What the... C'est peut-être toute cette destruction de décor là qui aurait été trop lourde à supporter de manière fluide pour les consoles d'ancienne génération, on va dire, parce que quand on parle PS4 One, faut penser au PS4 Fat et au Xbox One Fat aussi, hein. Et pas que au Pro et au X, hein. Et c'est un petit peu ça le problème, c'est qu'encore sur une PS4 Pro, une Xbox One X, ça pourrait y aller. Avec un framerate limité, tout ça. Mais PS4 Fat et One... c'est peut-être un peu compliqué, je ne sais pas. Sois tranquille, toi, je vais chercher un truc. Est-ce qu'il y a des petits reflets? Je regarde un peu en même temps, visuellement. Voilà. On voit que dalle avec la fumée. On va se dépêcher. On va voir ce qu'on va récupérer. Le but, c'est vraiment de faire une découverte, hein, donc là, maintenir. Charger complètement pour des rebonds plus mortels, ok. Bon, par contre, il n'y a pas de d'histoire de gâchette adaptative, etc. là. Comme arme quand même, hein. C'est rigolo. Ah, ils sont beaucoup autour de moi là, lui.
On va essayer de les aligner un peu parce que... Tu vas retourner rebondir tout de suite, toi. On va lui aspirer le cerveau. Loup. C'est important aussi, ça, je crois que ça permet de... Ça permet de récupérer quelque chose, il me semble. Allez, hop, loup. Il y a un gros bonhomme là-bas. Bon, première mission. Ouais, c'est ça, je crois que les cellules, c'est quand on... C'est quand on absorbe les cerveaux, là, comme je m'amusais à faire. I don't understand it. We blew that alien spacecraft out of the sky, and yet the shriveled geriatric one somehow survived. These Jopas must be harder to kill than... Get back, you redder! You're asking for it. Move it, or I'll move it for once. Allez, danse. Ça marche pas sur eux. Il y a des trucs là, je comprends pas. Je comprends pas comment ça marche. Pourquoi ça marche pas? D'accord. Hop là, ça y est, j'ai réussi. Down at the park, I'm gonna make him cut his hair and get a real job. Hey, that'd make a great country song. Oh bah, on sait qu'il est au parc, hein. I hate going to the park lately. The freak is always there. He really creeps me out. That freak at the park should be put away for good. The freak is supplying the whole damn commune at the park. And yet he still can't get any action. What a loser. On va y aller tranquillement. C'est pas mal de prendre possession des gens quand même. Vous voyez, il y a plein de petits trucs. I wonder where the freak went. Probably up on the hill doing his mountaintop hermit. Don't screw with me, Jerry. Out! Voilà. Hey there, Moondoggy. I'm looking for a dude with his ear to the street. The kids call him the Freak. You found him? But I'm all tapped out, man. The heat's coming down on me, you know. Try me next week. Well, what I need is information. What do you know about the Ivans in the cheap suits who crashed our park? You mean those KGB cats? Yeah, those dudes are straight, all right. They make Jack Lord look like Abby Hoffman. Only they didn't crash, man. They were invited. Who invited the KGB to harsh our buzz? From what I hear, it was that cat who leads the commune.
I don't know his real name, but he calls himself Coyote Bongwater, which is pretty righteous. Supposedly, he's like this master of tantric meditation and spiritual healing. C'est un sacré délire, hein, quand même. He's got the chicks eaten out of his hookah. Okay, you piqued my interest. Where do I find Coyote Bongwater? Well, from what I hear, he's kind of paranoid. He doesn't hang out at the park for long. I heard he's got a pad someplace, but I don't know where. What I do know is he's cutting into my livelihood. Dude's been handing out this new turn on a drink, like in a can. He calls it Revelade. Ain't that a bitch? If you want him, that's your it. Find some Revelade and you'll probably find Coyote. Bon, on retrouve cette boisson, j'imagine. What's in this Revelade stuff? He claims it's like an all-natural elixir that enhances your cosmic awareness or something. Bongwater says it's the first shot in the global revolution against the man. Great, great. Like the monkeys aren't revolting enough already. Thanks, freak. I gotta go find Coyote Bongwater. I can't believe I just said that. On va aller par là-bas. Je pense que la jauge qui descend, c'est le corps que j'ai là, en fait. À mon avis, quand la jauge descend à zéro, je retrouve ma forme normale. Je pense. Je sais déjà plus comment on fait le truc. Ah oui, comme ça. If this Bongwater guy thinks he can buy my loyalty by handing out free samples of his homebrewed mind-altering substance on Ashbury Street, then he's right. It's all about the buzz, man. Is there any kind of food Americans cannot make fast? Ouais, il y a les gentiments. Next week, we'll start one-on-one Shakti tutoring. I'll be giving each of you private, hands-on instruction in Kriyanish Pati. On dirait les guignols. Pour ceux qui ont connu ça. Run 10 hours. So eat a good breakfast. Je pense qu'après on va s'arrêter parce qu'on arrive à 26 minutes. That's it for today. Remember, 27 presque. Wherever you go, I'll be there. The shine in your Japan, the sparkle in your China. Bodhisattva, Bodhisattva. Ah! Goddamn flashbacks. Guess again, sunshine. Nice little setup. Guns, cheap Russian booze, teenage bra-burning hippie chicks. Man after my own heart, if I had one. Then join us. We're about to free the people of this city. Soon they'll see the truth and embrace our beautiful new utopia. The Bay City Super Organic Communal Collective and Compost Farm. Are you with us, man? Am I with you? Dude, you're bogarting the brainstems. I'm gonna have to kill you. Kill me? Run along, comrade. My men can handle this. Pacifist. What a crunk. Yep,
reached. Get bong water out of here. Hurry! Things are not looking good. On va s'arrêter là. Hein. Je pense que vous avez bien compris le principe du jeu. En tout cas, moi je suis content de vous avoir fait ça sur PS5, même si j'ai pas réussi à faire fonctionner le boîtier. Parce que c'est vrai que après les jeux multiplateformes en réalité on s'en fout un peu, mais c'est vrai que je vous fais beaucoup de jeux, ah bah mission accomplie c'est très bien, beaucoup de jeux sur Xbox parce que j'en achète beaucoup sur Xbox en fait. Après les jeux multiplateformes on s'en fout un peu, c'est la même chose, mais je vous les fais beaucoup sur Xbox déjà parce que je les achète beaucoup sur Xbox et ensuite parce que bah, en termes de capture et tout c'est plus pratique pour moi en vrai. Mais écoutez, on va s'arrêter là. On va pas aller plus loin, donc je vous remercie. Après, on se retrouvera vers le 5-6 septembre, un truc comme ça. Il y aura un petit truc que je vais vous faire, que je vais essayer. Puis bah après, on verra le mois de septembre. En fait, il n'y a pas trop de trucs qui m'intéressent au point d'acheter. Si on me proposait de m'envoyer, j'en accepterais un que j'ai vu et qui pourrait m'intéresser. Mais à acheter, non, c'est, en fait, ça m'intrigue, mais ça ne m'intéresse pas suffisamment pour mettre les sous dedans. Après en octobre il y aura des choses, en novembre aussi, là ça va envoyer. Donc écoutez, je vous remercie, je vous dis à la prochaine, salut à toutes et à tous.